Du coup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit stream qui sera rediffusé sous forme de condensé sur la chaîne. Un petit stream sponsorisé. Là, je le dis, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de petite vidéo sponsor sur la chaîne. On se fait plaisir à la reprise 2020, tout ça. On est aujourd'hui sur Black Desert Online et je suis ultra content parce que c'est un jeu qui lorgne la chaîne depuis déjà plusieurs mois, voire années. J'ai souvent failli avoir une OP dessus, ça s'est jamais fait. Et c'est un jeu que je kiffe, vraiment. C'est un jeu dont j'ai eu énormément de très bons retours et j'avais hâte de le tester. Donc je suis ultra refait. On va passer tranquillement en jeu. Si jamais le jeu vous intéresse, dans la description de la vidéo, pour la rediff, vous aurez aussi un lien si jamais vous souhaitez télécharger le jeu. Je vois déjà des gens qui disent que c'est un jeu excellent. J'ai vraiment hâte de le tester. Donc on va découvrir ça tout de suite. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de mon petit avatar? Déjà, première chose les gens, que pensez-vous de mon petit avatar? Regardez-moi ça. Oh, c'est... quel beau gosse. Il est beau, il est musculeux, il a les cheveux verts, comme la nature, car c'est un homme de la nature. Bien évidemment. Ouais, voilà. Donc je joue un guerrier. Est-ce étonnant? J'ai envie de dire non, pas du tout. Vous avez l'habitude que je joue des guerriers dans les MMO. C'est ma classe préférée. J'adore. Il vient de se faire une sale chute à côté. Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors il y a déjà plein de joueurs. Je suis au tout début du jeu et il y a déjà plein de joueurs. Donc petite vidéo sponsor sur Black Desert Online. Pourquoi d'ailleurs, me direz-vous? Parce qu'il y a une raison quand même. Parce que Black Desert Online lance une nouvelle classe, la classe des gardiens. Je sais pas s'il y a des gens un petit peu dans les commentaires qui ont déjà joué au jeu. En tout cas, il y a une nouvelle classe qui s'appelle les gardiens, qui est là depuis le 22 janvier et qui va s'éveiller le 5 février. Et du coup, c'est à l'occasion, eh bien, qu'ils ont demandé de faire un petit peu parler du jeu. Donc aujourd'hui, on va jouer. J'ai pris la classe du guerrier. On va pouvoir un petit peu découvrir cet univers. J'ai fait mon petit perso. D'ailleurs, je tiens à le souligner, je le dis pas souvent, mais la création du personnage était trop cool. La création du personnage était ultra précise, ultra stylée. J'ai pu faire ce que je voulais. Je suis pas allé ultra loin dans la personnalisation, mais on pouvait faire tellement de choses. J'ai rien à dire. Graphisme, c'est la next gen, c'est beau, c'est magnifique. J'adore ce genre de jeu comme ça, donc c'est toujours très cool. Qu'est-ce que c'est que ce dragon aux yeux bleus là qui est en train de se barrer? Ok, très bien. Et puis bah sinon après ça reste un MMO, donc un système de montée de niveau, de leveling, de quêtes. C'est un des jeux qui a le meilleur système de combat de tous les MMORPG, clairement, de ce qu'on m'en a dit. De tous les MMORPG qui, vous savez, qui est basé sur les compétences. Bah c'est un de ceux vraiment qui a le meilleur système de combat. Et du peu que j'ai pu tester, c'était vraiment ultra stylé. Donc vraiment j'ai hâte de découvrir ça. Et j'ai surtout hâte, je suis en train de me faire déglinguer, j'ai surtout hâte qu'on explore ce monde qui est sans écran de chargement apparemment. Et alors ça, je demande à voir, c'est à dire que vraiment tu peux te balader partout. Disons-le, c'est beaucoup trop stylé. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. J'en profite pour remercier d'ailleurs Romain et merci Sierra également, merci beaucoup. Bon, du coup, je vous propose qu'on découvre un petit peu le jeu, mine de rien. Donc on va, vous voyez, déjà j'ai une quête, on va partir loin. Les amis, vraiment, que vous le savez, moi je kiffe à chaque fois être sur les MMO et vous. Alors, j'ai ce petit esprit là qui est à droite, on zoomera dessus là, qui me parle et je n'arrive pas à enlever ce message. Donc en fait, pour l'instant, il est vraiment en mode, il m'explique un petit peu, vous voyez là, j'ai une des quêtes qui dit obtenir des compétences sur le renard gris. Donc le renard gris, eh bien c'est dans le coin et il va falloir tout simplement que je me les fasse pour essayer d'avoir un petit peu des connaissances dessus. Non pas des compétences, on commence très bien. Donc pour l'instant on va se les faire et je kiffe vraiment comment ça se bat. Tu sens la puissance, je suis en train de te les déchecter. Voilà, parfait. Maintenant essaye d'appuyer sur CTRL. Vous voyez, en fait il est en train de me former. Et on va essayer de l'invoquer. CTRL et clic droit sur la partie verte à droite pour l'invoquer. Sur la partie des vertes à droite. Quelle partie verte à droite? Ah très bien, regardez-moi ça. Ouh. Hey hey. On en sait maintenant un peu plus sur les renards gris, très bien. Donc on va lui prendre la quête, parfait. Et comme ça j'ai des récompenses. On accepte des nouvelles quêtes. Voilà, échauffement. Donc on est au début. Pour l'instant on est au début. Ok, donc on va lui prendre tout ce qu'il faut. Hop. Et on va revenir ici. Et donc voilà, il va falloir qu'on tue des renards gris. Je suis désolé pour les vegans, pour mes amis vegans. Il va falloir déforester absolument toute la population. C'est ultra cool parce que c'est chill pour parler avec vous. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde durant ce live, qu'on parle de plein de choses, eh bien n'hésitez pas. Et on est passé niveau 2, mesdames, messieurs. Petite interruption pour vous apporter encore 2-3 informations. Il faut savoir tout d'abord que changer de compétence n'est pas flexible pour le joueur moyen. Ça coûte du temps et surtout de l'argent. Donc les joueurs doivent faire des choix dans la façon dont ils veulent jouer. Et la succession, elle, consiste à se spécialiser dans votre arme principale d'origine en abandonnant les compétences d'éveil. Voilà, très important. Et enfin, dernière chose, chaque semaine, une classe différente a de nouvelles compétences. Et ça, c'est vraiment très cool parce que ça permet comme ça d'avoir un renouvellement.
Ce jeu est très bien, je suis level 59, c'est impossible de passer level 60. C'est long de passer le niveau 60, hein. Je pense qu'effectivement c'est long. Alors regardez, on est déjà monté niveau 3. Alors on a des compétences, alors attendez. Moi je vais voir un petit peu au niveau de mes comptes, là. Je vais voir un petit peu, faut que je tue un dernier renard gris. On va voir un petit peu au niveau des comptes. À partir du niveau 56, tu vas galérer à passer un niveau. Alors écoute, je sais pas si on ira à niveau 56 dans ce live. Ça me paraît quand même être un petit peu long. Je vois notre destination là-bas. Appuie sur T pour activer la course automatique. Oh, c'est si bien. Oh, comment ça va vous? Vous allez bien? Vous allez bien? Tout se passe bien pour vous? J'aime trop. Course auto, c'est la vie, n'est-ce pas? Nous allons trouver la touche des compétences, mesdames, messieurs. Ah, on y est. Donc, je peux apprendre pas mal de choses ici, on dirait. Allons faire la quête, mesdames, messieurs. Allons faire la quête. J'aimerais me relever, par contre. Allez, on va faire tout le jeu comme ça. Hein. Ça vous va? Merde! Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Laissez-moi me relever. Espace, c'est A. Ah, vous êtes des pros. Heureusement qu'on a des gens dans le chat quand même. Parlez à Edan dans l'ancienne salle de pierre. Non, mais j'aime bien les détails et tout. Regardez, et en vrai, les détails sont méga stylés. J'aime trop. Je crois que même que je peux. Oui, je peux sprinter si je veux. Allons-y. Alors, bonjour. Je viens vous ramener un petit peu tout ça. Enquêter sur l'artefact situé derrière Edan. Alors, ouais, on va enquêter. Enquêtons, tranquillou. Hop là. Objectif de quête accompli. Oh. Regardez-moi ça. Le beau cube. On regarde un petit peu, on voit ce que ça nous dit. Toujours avec le petit esprit, j'aime trop cet esprit. Voilà. Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu avanceras dans l'histoire, ton esprit va être badass. Ah. Oh, qu'il est mignon! Et petit à petit, il gagne en pouvoir. Il est beaucoup trop mignon. Bon, très bien. Alors, allons-y avec T. Ah oui, d'accord, mais c'est juste ici, très bien. Excusez-moi, j'étais en mode... Hey, on est à côté! Ok, voilà. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a parce que je crois qu'on a eu pas mal d'autres trucs. On va les prendre. Je commence à m'équiper un petit peu parce que c'est pas que j'étais un petit peu à poil, mais quand même, pour l'instant, je suis pas. C'est quoi cette transpiration? C'est trop réaliste. Pourquoi suis-je si rapide? Pourquoi suis-je si rapide? Qu'est-ce qui se passe? C'est clairement normal. Wow, hyper vitesse. Vaincre les petits esprits des arbres et vaincre les modes de loup gris. Très bien, on va aller se faire ça. Alors, allons buter un petit peu tout ce qu'il nous faut là. On va se faire les loups gris. Voilà. Bah, j'essaye de faire en même temps les coups spéciaux. Oh, attention à ma vie quand même, attention. Ah voilà, là je fais des vrais coups. Parfait. On est en train de leur mettre tarif. Ok, yes, niveau 4. Bon, on monte bien en niveau. Trop de sucre pour le perso. J'étais pété, comment ça se fait que je sois aussi rapide? Ai-je touché à une touche? Je crois pas, hein. Les experts là, ça vous est déjà arrivé d'aller aussi vite? Ah oui, effectivement, il me reste 34 secondes de speed. Eh, fous-moi la paix le loup. On dégage. C'est l'esprit des arbres. Allons-y, butons-les. Putain, il est costaud, il veut pas prendre. Il ne veut pas mourir. Absolument pas. Mais si, pourtant, je suis en train de les... Ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, 5 sur 7. Ça dégage, attention à ma vie, quand même. Attention, putain, les vieux coups bien sévères que je leur mets. Et donc là, voilà, là, vous voyez, j'ai un petit spell de bouclier. Pendant encore 4 secondes. Hop là, voilà. Je me demande pourquoi ils ont tant de mal à se débarrasser d'eux. Les mains qu'on n'est pas très compliqué. Pour qu'ils nous aient pris cet état. Tu vas mieux parler, toi. Tu vas mieux parler, mon petit. Hop, on récupère tout, on récupère tout, on récupère tout. Merci. Est-ce que nous avons d'autres quêtes, monsieur? Ok, alors là on a plein de choses. Obtenir des connaissances sur les esprits des arbres matures et obtenir des connaissances sur les esprits des arbres immatures. Alors de quelle team faites-vous partie? Je vous le demande. Voilà. La petite course automatique. Je suis surpris, il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent le jeu et c'est cool. Mais de toute façon, voilà. Je veux dire, c'est quand même pas un, jeu qui sort nulle part. C'est un jeu qui est bien connu. Enfin, un bon moment déjà que j'entendais parler du jeu. Je cherche des modes de quête. Des zones en jaune. Ouais, bah regarde, on est dans la zone en jaune, hein. C'est très bien. Alors, esprit des arbres matures. Faut que je les bute, on est d'accord? Donc, butons-les. Niveau gagné, on est niveau 6. Attendez, voilà, on a gagné les compétences. Attends, on va se débarrasser de lui. Dégage. Voilà.
Et il me reste les arbres. Ils sont là, les petits arbres immatures. Allons-y. On est littéralement sur une déforestation. Je kiffe vraiment me faire porter comme ça. J'aime énormément. C'est incroyable. J'adore. J'ai pas mal de choses là dans mon sac qu'on va regarder. On va retourner voir les compétences. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs qu'on peut apprendre? Pour le moment, j'ai pas l'impression. Ouh la vache, oui, j'avais pas vu. Là, il y a des gros mecs quand même. Bon, on est déjà niveau 7, mesdames, messieurs. Regardez-moi ça. Voilà. Alors maintenant, on va se les faire. On met les gros coups. Voilà. Et reprendre les affaires du cocher du wagon. Objectif de quête, il est là. On se passe le gros. Non, le gros est avec nous, je ne sais plus. C'est par là, moi, ma quête. Ok, soldat effrayé. T'es en but du meuble. Ah, c'est là. Niveau 8, non, mais les gars. Tu vas monter très très vite jusque dans les niveaux 20-30. Mais après, ça va commencer à durer. Ça va finir par des heures, voire des semaines, même des mois de farm pour avoir un level. C'est quand même beau. Il est là. Butez-le. Il est mort. Ok, lui, il est mort. On bute tous ceux qu'on voit, non? Voilà, objectif de quête. Butez-les. Là, il y en a un. Ok. Tu joues bien. Eh ben, merci. Alors, regardez, il la reconstruise. Mais j'aime tellement les guerriers dans ce genre de jeu. Ah, ça y est, c'est bon. Donc. Hop. Tu ne trouves pas ta quête, tu fais M et tu regardes sur ta map où tu dois aller. Très bien. Allez, on élimine 5 sur 10 déjà. Ah ouais, on leur a fait très très mal. On est à 9 sur 10 et on a terminé. Ok, la quête est là-bas. Bonjour, monsieur. Commandant. Je vous rends là. Oh, bonjour, commandant. Dobby, t'es un elfe libre. Bonjour, c'est pas à toi qu'il fallait que je parle. C'est à toi. Bien. Alors, donnez-moi mes récompenses de quête. Ok, alors attendez, est-ce que j'ai des choses? Yes, aïe, j'ai un meilleur bouclier. Et on va aller là. Vas-y, amène-moi directement. Le mec, tu sais, il a vraiment la flemme de tout. Il utilise le truc à chaque fois. On dirait qu'il va faire de la boxe comme ça, regarde. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Un archer, qu'est-ce qu'il aurait fait un archer? Ouais, d'accord. Nous, on est au milieu de la mêlée, on tape dans le tas. Voilà. Et une fois qu'on a fini de taper dans le tas, petit taxi jusqu'à la quête. Rends-moi tout ça. Ah, attendez, oh, une meilleure épée. Oh, une bien belle nouvelle épée, mesdames. Il va falloir s'en faire 20. C'est quoi le but du jeu? C'est de pex. De gagner des niveaux d'XP, d'augmenter ses compétences. Regardez-moi ça, on détruit absolument tout. J'aime trop mon perso, il est incroyable. Mon perso est beaucoup trop incroyable. Regardez là comme on l'enchaîne. Oh là là. Et en vrai, les combos sont kiffants. Vraiment, quand je vous dis que c'est un des meilleurs systèmes de combat de MMO que j'ai pu voir, c'est très sincère. Pour l'instant, ça va, les mobs sont pas très puissants, donc on arrive à se les faire assez facilement. Après, ça va devenir un petit peu plus complexe. Butez-le, terminez-le. Ah, on attaque au sol, on en est là. 14 sur 20. Franchement, est-ce que c'est pas magnifique? Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment kiffant. C'est bien parce que tu t'amuses dès le début, tu te sens puissant et c'est ultra bien pour rentrer dans le truc. Après, ça devient plus compliqué, c'est pas grave parce que tu auras tellement kiffé dès le début que tu auras envie de braver la difficulté. Si dès le début c'est trop dur, t'as du mal à rentrer dedans. Ah, ce serait stylé qu'on ait un méga boss là qui arrive. Une petite boucle d'oreille. Est-ce que je les ai? Est-ce qu'on peut voir mes boucles d'oreille saillantes? C'est de pire en pire. Amenez-lui une serviette portée. On est parti. 50, mesdames, messieurs. On en a absolument 50 à faire. J'espère que vous êtes chauds. Regardez, on a déjà 3. On continue, on arrive au milieu ici, on se les fait. On les prend tous au même endroit et ensuite on peut taper dans le tas et tous se les faire en même temps. On augmente de niveau bien évidemment. On est déjà à 5 sur 50, on y va, ils sont par groupe. On continue par là-bas, là-bas il y en a plein, regardez. Défoncez-moi ça. Allez le guerrier là, tu meurs. 50 mesdames, messieurs. Ok, allez on y est presque, on avance bien là. On est bientôt au 30. En vrai ma vie va bien hein. Oh qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y on l'attaque. Je sais pas du tout si je suis fait pour le buter maintenant, lui, mais on le tente. Butez-le! Il est mort? Ouh! Il était fat, lui. 37 sur 50. Toi, tu dégages. 38. Mais attends, laisse-moi le buter. Celui-là, il est pour moi. Pas la buter avant moi. En fait, il y en a tellement. Ah, pour tout ce qui est convention, Mouten, ça y est, je les ai annoncés. Elles sont sur tous mes réseaux, donc je t'invite à aller les voir. Je t'invite à aller les voir sur absolument tous mes réseaux sociaux, je les ai annoncés partout. C'est bon! Oh mon dieu! Invoquons l'esprit occulte. Ouh, cette quête, mesdames, messieurs! Elle était bien, bien longue, bien stylée. Mesdames, messieurs, je pense qu'après une aussi grande bataille, tout homme doit savoir prendre du repos. Et c'est pour ça que je vous propose que l'on s'arrête. En tout cas, voilà, écoutez, c'était la petite découverte de Black Desert Online. J'espère que ça vous aura plu, vraiment. En tout cas, personnellement, j'ai absolument surkiffé vous faire ça. J'espère que ça se sera vu. J'espère que vous aurez pris un bon moment à mes côtés. Je rappelle qu'il y aura tout dans la description. Je les remercie beaucoup d'avoir sponsorisé cette vidéo. Les gars,
quand vous voulez pour la suite de mon perso. Genre, il est incroyable. Je m'éclate de ouf. J'ai envie d'explorer absolument toute la map. Et le coup, effectivement, de pas de temps de chargement, c'est vrai. Hein. Vous avez vu, pour l'instant, c'est incroyable. J'adore ça. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, mesdames, messieurs. Je vous dis à très vite. C'était Siphano. Portez-vous bien.